Donc bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir une radio, comment écouter Energy et Two Beans, une radio, etc. RTL2 sur sa PSP. Donc alors d'abord vous allez sur Google et vous marquez RADIO Radio Media Like Media. J'ai zoomé, attendez. Là, centré. Là, vous cliquez sur le premier site. Voilà. Après, vous mettez page de téléchargement du logiciel, liste des stations, etc. Donc, si on zoome encore un peu, on va voir que voilà. Donc, vous téléchargez WinRAR, qui permet bien sûr d'ouvrir les fichiers. Sous forme d'icônes de petits livres, quoi, les dossiers zip, etc. Donc, vous cliquez sur télécharger le logiciel. Voilà. Logiciel ici téléchargé. Ouais. Petite icône de livre comme ça. Vous l'ouvrez. Et vous pouvez remarquer qu'il y a un dossier PSP. Donc, ici. Dossier PSP. Excusez-moi, hein, c'est dur à tenir la caméra. Alors, vous mettez extraire le dossier spécifié. Donc, une fois que vous avez extrait le dossier spécifié, vous sélectionnez le lecteur de votre PSP, moi c'est le E, et vous transférez. Une fois cela fait. Alors, une fois cela transféré. Voilà. Donc, une fois cela fait, comme je vous dis. Donc une fois cela fait, vous allez dans Radio par Internet et vous voyez Radio Métallique PSP. Vous lancez, connexion réseau. Voilà. Déjà le site est assez simplifié. Hein. Attends, juste enlever le câble. Est assez simplifié avec le petit chargement là. Quoi. Je trouve assez bien parce que c'est assez simple. Donc ça, voilà. Donc par exemple. Vous cliquez sur France. Ça vous affiche toutes les radios françaises, enfin, hormis quelques-unes. Descendez, vous descendez. Là, par exemple, vous avez, je sais pas moi, RTL2. Cliquez. Et vous pouvez cliquer RTL2. Voilà, par exemple, je sais pas moi, Skyrock. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé. Et c'est-à-dire, voilà, j'espère vous avoir aidé parce que. Excusez-moi, mais les radios de Sony sont pas très bonnes, je trouve, elles sont quasi nulles, on peut dire. Ça. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté des films, etc. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé, hein. Et au revoir.